bonjour, je me présente Samba Koulibaly, je viens de la Hatch Academy, la team mortelle. Dis, là à l'actuel je suis en entraînement avec mes sauces. Je m'entraîne parce qu'il y a un relou sur Facebook là qui me saoule, Emeric Numbi. Soi-disant il va me carotter, il me raconte des blabla, il m'insulte sur Facebook. Mais voilà, moi je m'entraîne pour te casser la gueule, bien comme il faut, comme ça il va arrêter de me saouler sur Facebook. On s'est déjà rencontré sur le 100% fight. Je l'avais affronté, Emeric Numbi. Premier round, j'essaie de le ramener au sol, il tombe sur sa jambe, je pense. Et apparemment il s'est fait mal. Il chipotait même au sol et tout. Limite il allait pleurer. Et moi j'étais trop gentil avec lui, en plus je lui ai demandé si ça va aller. Moi à la base moi je vais pas finir parce qu'il était blessé. Comment il me regardait et tout, il me faisait pitié et tout, je me suis dit ouais c'est rien de trop le charbonner et tout. Je vais juste essayer de finir mon combat au calme et tout, comme ça, tu vois, y a pas de problème. Moi j'ai gagné mon combat et lui il est pas content. Mais... passage de jambe, ça fait rigoler, tu vois. Si, en fait, ma jambe, quand il a pris ma jambe, je savais qu'il allait rien se passer. C'est pas Emeric Numbi qui va mettre une clé de talon, quand même. Je l'ai laissé, il a pris, il s'est un peu amusé avec ma jambe, il a un peu tiré, là, le truc qu'il avait. Il a cru qu'il avait tenté un truc, il était content, je l'ai laissé, je rigole en même temps, je faisais coucou avec mes gars. Mais après, j'en avais marre, je l'ai pap, je suis sorti de la clé, je suis revenu sur lui. Emeric Numbi, t'as aucune chance, mon sauce. T'as aucune chance. Une fois que tu manques de respect, c'est la guerre. Emeric, j'espère que tu t'entraînes parce que tu m'as mis en colère. Et faut pas mettre le joke en colère, mon pote. Et ça va pas durer longtemps.